Direction l'Allemagne cette semaine afin de découvrir le célèbre homme en noir. Il est considéré comme l'un des pires meurtriers d'enfants d'Allemagne. Il a échappé 10 ans durant aux enquêteurs et terrorisé le nord de l'Allemagne en agressant plus de 40 enfants. Il est de nouveau dans l'actualité dans une célèbre affaire française. Découvrez aujourd'hui la terrible histoire de Martin Ney. Hello tout le monde, c'est la Lila du montage qui vous parle. J'ai complètement oublié de vous parler de l'offre Scène de Crime TV. Comme tout le monde n'avait pas pu profiter de l'offre, elle a cartonné, hein. Et ben on a demandé de nouveaux codes supplémentaires. Donc si vous souhaitez bénéficier de la plateforme Scène de Crime TV à 2,99 à vie, on vous laisse le code en barre de commentaires, on vous laisse le lien. Le code c'est YouCrime, attention l'offre elle est limitée, donc vérifiez bien que le lien fonctionne, s'il vous plaît. En 1992, on dénombre plusieurs signalement d'abus sexuels sur de jeunes garçons dans le nord de l'Allemagne, dans diverses structures d'accueil pour enfants. Le tout premier incident répertorié remonte au 3 mars 1992 dans l'orphelinat de la ville d'Ebsted. Un soir, alors que tout le monde dort, une monitrice aperçoit un homme, tout de noir vêtu et masqué, se faufilant dans un dortoir, qui par chance est vide. L'intrus découvert prend peur et s'enfuit sans demander son reste par une porte-fenêtre. Il y a déjà de quoi s'inquiéter, mais voilà que quelques jours plus tard, on signale, toujours dans ce même établissement, l'agression d'un jeune garçon. Un homme, là aussi vêtu de noir et masqué, s'est faufilé jusqu'à son chevet dans la nuit, a glissé sa main sous la couverture et a tenté de l'abuser. Mais voilà, l'enfant surpris s'était mis à hurler, ce qui a poussé l'intrus à s'enfuir. Et ces incidents ne sont que le début d'une vague de terreur. Toujours en mars 92, on signale une nouvelle agression d'enfants dans la ville de Zeven, dans une colonie de vacances. C'est cette fois un garçon de 13 ans qui a échappé de peu à une agression sexuelle. Comme les fois précédentes, un individu vêtu de noir, de la tête aux pieds, s'est infiltré dans la nuit. Il s'est là aussi présenté au chevet du garçon et a tenté d'abuser de lui, mais en vain, l'enfant a protesté, l'agresseur a pris peur et a pris la fuite. L'ombre d'un prédateur plane, mais si vous pensez qu'à ce moment, les policiers allemands sont sur le pied de guerre, vous vous trompez lourdement. Non, dans les années 90, la parole de l'enfant n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, quand ce ne sont pas les éducateurs qui mettent en doute les déclarations des jeunes victimes, ce sont les policiers. Alors, l'un dans l'autre, personne ne se préoccupe vraiment de cette vague d'agression qui pointe le bout de son nez. Im Zimmer stand eine Digitaluhr. Ich glaube, es war 3 oder halb 4 Uhr nachts. Und dann bin ich aufgewacht, weil ich gestreichelt worden bin, unter meiner Hose. Es ist stockdunkel. Paul wehrt sich, beginnt zu weinen. Der Täter flüchtet. Paul kann ihn noch sehen. Beim Rausgehen aus der Tür habe ich dann, weil im Flur Licht an war, einen schwarzen, großen Mann gesehen. Er war maskiert. Mit 3 Löchern an den Augen und am Mund. Und mit einer schwarzen Hose. Da sind meine Klassenkameraden alle aufgewacht und haben gefragt, was los sei. Und dann kam mein Lehrer auch. Und dann habe ich alles erzählt und keiner hat mir geglaubt. Niemand. Combien sont-ils à ne pas être pris au sérieux? Difficile à dire. En tout état de cause, les agressions d'enfants se poursuivent à un rythme effréné et le prédateur reste insaisissable. Anfang der 90er Jahre, er ist gerade 10 Jahre alt, verreist er mit einer Jugendgruppe in ein Schullandheim nahe Bremen. Ich war damit einer der Jüngsten. War auch das erste Mal, dass ich alleine im Urlaub gewesen bin, ohne meine Eltern. Und insgesamt hatte ich eigentlich einen schönen Eindruck davon. Bis zu der Nacht. In dieser Nacht, so erzählt er, kommt der schwarze Mann ins Schullandheim. Er zieht ihm den Schlafanzug aus, berührt ihn. Lukas will die Betreuer alarmieren, gibt vor, auf die Toilette zu müssen. Der Täter folgt ihm, missbraucht ihn auch dort. Das Gefühl kann ich nicht ganz genau beschreiben. Einfach eine Todesangst in dem einen Sinn. Und andererseits denkt man. Et lorsque son agresseur a fini sa sale besogne, il est parti. Et le lendemain matin, Lucas s'est rendu à la cuisine, où se trouvaient les moniteurs, et il s'est effondré. Il a expliqué avec ses mots d'enfant, certes, mais en détail, ce qui lui est arrivé la veille. Il n'hésite pas à confier les détails les plus intimes et humiliants à ses yeux, mais voilà,
Les moniteurs ne croient pas à son histoire. Ils appellent même ses parents pour qu'ils viennent le chercher, et l'histoire s'arrête là. Autre exemple, à l'école d'Epstett, comment ne pas parler de ses monitrices qui se sont précipitées au commissariat le plus proche pour faire part aux policiers de cet homme, vêtu de noir, qu'elles ont aperçu rôdant dans les couloirs de l'établissement en pleine nuit. Bien, les policiers ne les ont pas crues, elles étaient à leurs yeux, je cite, hystériques, et d'après eux, elles surestimaient probablement la situation. Affaire classée. Un journaliste a bien résumé cette situation à l'époque, il a écrit « Les surveillants et les policiers ont laissé tomber les enfants. Le seul à se sentir en sécurité a sans doute été l'agresseur. » Toujours en mars 1992, dans le foyer scolaire de Schulendame, Kluvenhagen, alors qu'un enseignant fait une ronde, il tombe nez à nez sur un inconnu. Et cet inconnu masqué tient dans ses bras un jeune garçon. De toute évidence, le garçon est endormi et ne se rend pas compte qu'il est en train d'être kidnappé. Mais à peine l'enseignant a-t-il eu le temps de réaliser la situation que l'inconnu a lâché l'enfant et pris la fuite. De toute évidence, le prédateur ne veut plus se contenter d'attoucher ses victimes dans les dortoirs. Non, il essaye désormais de les kidnapper, sans doute pour faire ses basses besognes plus tranquillement à l'abri des regards. Quelques jours plus tard, à Seven encore, rebelote, un inconnu correspondant à la description s'est cette fois faufilé dans la nuit et a essayé d'abuser d'un enfant de 13 ans. Le prédateur est littéralement insatiable. Mais voilà, bientôt, ça va être l'escalade dans l'horreur. Nous sommes toujours au mois de mars 92. Remarquez d'ailleurs à quel point le prédateur est particulièrement prolifique. Eh bien, le 31 mars, au petit matin, dans un pensionnat de la ville de Schiebel, un garçon manque à l'appel. Il est âgé de 13 ans, c'est le petit Stephen Jarr. L'enfant s'est comme volatilisé dans la nuit. Les policiers sont appelés en urgence. Sur les lieux, ils ne trouvent rien de concluant. Un avis de disparition est émis et diffusé à l'échelle nationale, mais voilà, les jours passent et aucune nouvelle du petit Stéphane. Les parents sont inconsolables, d'autant plus qu'ils pensaient leur enfant en sécurité à l'école dans cet internat. La police, quant à elle, pense que le jeune garçon a probablement fugué. Et ça, les parents n'y croient pas. C'est presque une insulte pour eux. Stéphane est un enfant qui aime faire du vélo, qui adore les bandes dessinées. Il est loin de l'adolescent à problème. Au contraire, ce n'est encore qu'un enfant qui aurait eu bien trop peur de s'éloigner des adultes. Les jours vont passer, puis les semaines. Toujours aucune nouvelle de Stéphane, jusqu'au dimanche 3 mai 1992. Dans l'après-midi, un promeneur fait une macabre découverte, dans une forêt près de Brême, enterré dans une tombe peu profonde, à moins de 40 cm de profondeur, dans des dunes de Verden, se trouve le corps sans vie de Stéphane. C'est à 30 km du lieu de la disparition. Le pauvre enfant est encore ligoté, pire même. Son pyjama et son slip sont retrouvés roulés en boule sous son corps. Et le mobile du crime ne laisse que peu de place au doute. Il est d'ordre sexuel. Et Stéphane allait bientôt fêter son 14e anniversaire. Alors forcément, la piste de la fugue s'effondre. Et l'enquête pour meurtre va révéler ce qui s'est a priori passé la nuit du drame. Ce que l'on sait, c'est qu'habituellement, le jeune Stéphane laissait la porte de sa chambre ouverte la nuit. Mais quelques jours avant le drame, il avait commencé à la fermer à clé la nuit. Les enquêteurs pensent rétrospectivement que le jeune garçon avait peur de quelque chose, mais comme il ne s'est confié à personne, impossible d'en savoir plus. Quoi qu'il en soit, au petit matin de sa disparition, sa porte était déverrouillée. Les enquêteurs supposent donc que le soir, avant de se coucher, le petit Stéphane a fermé la porte à clé, mais que son agresseur est sans doute entré par la fenêtre. Il aurait ensuite amené le petit dans la salle commune, la salle commune se trouvant de l'autre côté du bâtiment, puis le prédateur a emporté l'enfant avec lui en sortant par une porte-fenêtre du rez-de-chaussée. Les surveillants dormaient dans une pièce adjacente, mais malheureusement, ils n'ont rien vu, rien entendu. Et après une longue enquête minutieuse, force est de constater que le tueur reste introuvable, au plus grand désespoir des parents qui décident d'engager eux-mêmes leur propre détective privé. Impossible désormais de douter ou d'ignorer la présence d'un prédateur d'enfants dans la région. Avec ses afflux de témoignages et d'agressions, un portrait robot du suspect est établi et il fait état d'un homme particulièrement grand, mesurant entre 1,90 m et 2 m, portant un masque à 3 trous, des gants ainsi qu'un manteau et un pantalon noir. Et il apparaît que les structures accueillant les enfants ne sont en règle générale pas assez sécurisées. Alors, concernant l'internat de Stéphane, des verrous vont être installés aux portes, des barreaux aux fenêtres ainsi que des caméras
de surveillance pour que plus jamais ce qui est arrivé à Stéphane n'arrive à un autre enfant. Et comme je vous le disais en introduction, dans cette affaire, on recense au total une quarantaine de victimes. Il serait trop long de les énumérer une par une. Ce qu'il faut retenir, c'est que les années vont passer et les agressions vont se multiplier dans les colos, les centres aérés, les pensionnats, les orphelinats, tout endroit où il y a de jeunes garçons prépubères et toujours dans le nord de l'Allemagne. Et l'agresseur n'hésite pas à retourner sur les lieux de ses agressions pour piéger d'autres victimes, comme par exemple dans la maison de vacances de Skullendame Badenstad à Zeven, déjà en mars 92. Il s'était faufilé dans la nuit dans l'établissement et avait essayé d'abuser d'un enfant de 13 ans. Eh bien, il était revenu en août pour se faufiler cette fois dans les toilettes pour abuser d'un autre enfant. En septembre, c'est cette fois un enfant de 9 ans qui a été attouché sexuellement. Et c'est souvent le même procédé. Le prédateur attouche l'enfant, puis parfois le ramène dans une autre pièce, vide, pour faire ses méfaits plus tranquillement. Et rebelote en 1994. Le prédateur s'en est pris cette fois un garçon de 11 ans, puis un autre de 10 ans. Les sévices se multiplient et le prédateur, à la carrure impressionnante, reste insaisissable. En juillet 1994, les agressions continuent, elles s'intensifient même. Désormais, l'agresseur n'hésite même plus à s'attaquer à plusieurs enfants la même nuit. Cet été, il n'hésite pas à entrer dans la tente d'un enfant lors d'un camp d'été et à l'abuser sexuellement. Et plutôt que de prendre la fuite, après cette agression, il est allé dans une tente voisine. Puis, une autre tente, et c'est au total 7 enfants de 8 à 9 ans qui seront attouchés cette nuit-là. Et à la fin du mois d'août 94, c'est au tour d'un garçon de se réveiller dans le camp de vacances de Selkernur, réveillé par les caresses d'un homme. Et au bout d'une dizaine de minutes, l'homme masqué a disparu. Et 2 jours plus tard, l'homme a de nouveau touché un autre jeune de 13 ans, toujours à Selkernur. Il n'a peur de rien. Et dans la nuit du 24 juillet 95, un autre enfant va disparaître alors qu'il était en vacances dans un camp d'été. C'est le petit Denis Rostel, 8 ans. Il était depuis 10 jours dans une colonie de vacances. Les enfants dormaient dans des tentes. L'enfant a été vu cette nuit-là à 3h du matin par un animateur qui faisait sa ronde et il dormait tranquillement. Mais voilà, le lendemain, on retrouve son sac de couchage vide. Denis a disparu. Et l'enquête qui va suivre ne va rien donner. L'enfant reste introuvable. Mais à peine 2 semaines plus tard, une bien triste nouvelle tombe. 2 touristes allemands trouvent son corps à moitié nu, enterré dans une dune de sable près de Vinterup, au Danemark. Ce qui implique que l'enfant a été transporté, sans doute en voiture, sur plus de 250 km, ce qui est une distance énorme. Et l'autopsie va révéler que l'enfant a été retenu captif un certain temps avant d'être tué. Et ici aussi par suffocation. Les agressions vont continuer. Octobre 95, le criminel s'en prend à un enfant de 13 ans qui réussit à s'enfuir et à trouver refuge auprès d'autres camarades. Juin 95, rebelote, il attouche un enfant et s'enfuit par la fenêtre et la liste d'agressions est longue. Juin 98, c'est cette fois 2 enfants qui parviennent à s'enfuir à temps. Juillet 99, il réveille un garçon de 8 ans, l'amène au sous-sol de son bâtiment et l'abuse sexuellement. Le prédateur est tout simplement inarrêtable. Et se sentant de plus en plus en confiance, il va une nouvelle fois passer à la vitesse supérieure. Nous sommes alors le 5 septembre 2001 lorsqu'on signale la disparition d'un garçon de 9 ans, le petit Denis Klein, dans un pensionnat de Bremerhaven. Le petit s'est comme volatilisé de sa chambre en pleine nuit. Les enquêteurs sont rapidement arrivés sur place. Nul doute qu'il s'agit de leur homme en noir et qu'il a encore frappé. Aucune trace de l'enfant nulle part. Il va falloir attendre 2 semaines, quasiment jour pour le retrouver. Il est retrouvé en pleine forêt, entre Kirchtink et Epstead. Et l'enfant est mort. Il a été assassiné et présente malheureusement des traces d'abus sexuels. Une commission d'enquête va être réunie après le meurtre de Denis Klein. Le but étant de dresser le profil probable de l'agresseur. Les enquêteurs pensent que le suspect est un homme trapu, qui a une taille impressionnante, comme je vous le disais. On pense qu'il mesure entre 1m90 et 2m. Il aurait entre 30 et 50 ans, il parle allemand, a une voix très caractéristique, elle est décrite comme grave et profonde. Il connaît bien l'Allemagne du Nord, et plus précisément la région de Brême. Les enquêteurs pensent même qu'il y habite, peut-être. Et si au début l'agresseur était décrit comme athlétique, avec le temps, il semblerait qu'il ait petit à petit pris du poids. Il se déplace en voiture, semble avoir de l'expérience avec les enfants, peut-être travaille-t-il à leur contact. Par ailleurs, il est probable qu'il soit socialement intégré. Il vit probablement seul et ressent du désir pour les jeunes garçons et préadolescents. Les enquêteurs pensent que ce trait de caractère pédophile a sans doute été remarqué par sa famille et
ou ses amis très proches. Comme il ne laisse presque jamais de traces derrière lui et qu'il semble très organisé pour les enquêteurs, c'est quelqu'un de très intelligent, qui a peut-être même l'habitude de travailler dans des colonies de vacances, des internats, etc., lui permettant ainsi d'effectuer une préparation particulièrement méticuleuse de ses crimes. Ce prédateur est considéré comme extrêmement dangereux. Mais voilà, cette seule description ne va pas suffire. Le prédateur court toujours, alors faute de mieux, les enquêteurs vont interroger les pédophiles de la région. Ils vont même faire passer des tests ADN à plus d'une centaine d'hommes du nord de l'Allemagne, mais en vain. Alors les enquêteurs se posent la question, le prédateur a-t-il un casier judiciaire? Eh bien, rien n'est moins sûr. La France et les Pays-Bas vont même se joindre aux enquêteurs allemands pour tenter de l'appréhender, mais ça ne donne rien. Les enquêteurs vont ensuite faire appel aux médias. Moult reportages vont être diffusés avec à chaque fois des appels à témoins, mais toujours rien. L'homme en noir, ou l'homme masqué, comme il est aussi appelé, reste insaisissable. Et encore une fois, vous citer toutes les agressions recensées serait trop long. Comme on parle d'une quarantaine de victimes connues, imaginez un instant le nombre véritable de victimes. Entre celles qui n'ont pas osé parler, celles que les adultes n'ont pas cru, celles qui n'ont pas été liées à ce prédateur, et celles qui ont peut-être psychologiquement refoulé tout ça au détour d'une amnésie traumatique, comme ça arrive souvent, qui sait combien de victimes il y a réellement eu dans cette affaire? Et tantôt il agresse les enfants, et tantôt il les tue. Et c'est malheureusement encore ce qui va se passer. Jonathan Coulon, 10 ans, est alors en CM1. Il fait partie des 24 élèves des classes CM1, CM2 de son école à partir en classe de mer à la station balnéaire de Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique. Le séjour se passe sans encombre. Les élèves sont répartis par petits groupes dans plusieurs chambres. Le petit Jonathan occupe la chambre Pouliguen avec 5 autres camarades. Et comme il n'y a pas de poignée de porte à l'intérieur, pour des raisons de sécurité, lorsque la pièce est occupée, la porte doit rester ouverte. Il y a bien un grillage qui entoure le centre de vacances, mais il est éventré par endroits. En d'autres termes, n'importe qui pourrait pénétrer à l'intérieur. Et le soir du 6 avril, une boum est organisée, car c'est le dernier jour de vacances. Les enfants s'amusent, ils vont se coucher un peu plus tard qu'à l'habitude, il est 23h, et la dernière fois que Jonathan est aperçu, c'est à minuit, lors de la dernière ronde d'un surveillant. Mais si les enfants sont déjà couchés, dans un autre bâtiment du complexe, se déroule une fête de jeunes adultes qui passent leur BAFA, font la fête jusqu'à 2h du matin, et ils ne remarquent rien d'anormal. Encore plus tard dans la nuit, la conductrice de bus se lève pour aller aux toilettes, et elle constate que la porte du bâtiment où dort Jonathan et ses camarades est grande ouverte. Elle la ferme, va aux toilettes, puis retourne se coucher. Et c'est le lendemain matin à 7h que l'on découvre la disparition du jeune garçon. Son lit, qui était le plus proche de la porte, est vide. Toutes ses affaires sont là. L'enfant a donc disparu dans la nuit, vêtu de son seul pyjama et donc pieds nus. Or, cette nuit-là, il a plu à verse et il faisait particulièrement froid. Alors, où a bien pu se rendre l'enfant? Et dans cette tenue qui plus est. Plus de 200 gendarmes vont sillonner les environs. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration est alors ouverte. Les parents de Jonathan sont effondrés. Ils savent que quelque chose de grave est arrivé, puisque Jonathan est un enfant timide et discret. Jamais il ne serait parti de son plein gré dans la nuit noire. Et les premiers témoignages vont affluer. L'un des 5 amis, avec qui il partageait sa chambre, a dit avoir aperçu une lampe torche la nuit de la disparition, et entendu un homme dire « Tu dors ?» Mais déjà à moitié somnolent, l'enfant s'est rendormi. La nuit de la disparition du petit Jonathan, toujours une berline avec des plaques d'immatriculation allemande, a été aperçue stationnée près du centre de vacances par un agriculteur du coin, sans compter cette minuscule tache de sang qui est retrouvée sur l'un des draps de Jonathan. C'est là un élément de preuve qui pourrait faire drastiquement avancer l'enquête. Des comparaisons ADN sont effectuées avec de potentiels suspects, mais malheureusement ça ne donne rien. Et on se rendra compte, 5 ans plus tard, après plus de 200 tests, qu'il s'agissait là d'une fausse piste. Il s'agit en réalité du sang d'un autre enfant qui avait dormi précédemment dans le même lit que Jonathan. Quoi qu'il en soit, c'est dès le 22 avril 2004, soit 2 semaines après la disparition de Jonathan, que les enquêteurs allemands, en apprenant les détails de cette affaire, contactent les policiers français. Pour eux, l'affaire ressemble à s'y méprendre au crime de l'homme en noir. La piste du tueur en série allemand plane sur cette affaire. Et alors que l'enquête suit son cours, le 19 mai au soir, soit 1 mois et demi après la disparition, une bien triste nouvelle tombe. Le corps nu d'un enfant, ligoté en position fœtale, est retrouvé. Et on apprendra bien vite qu'il s'agit de celui du petit Jonathan.
Pour cacher le corps, son agresseur a lesté son corps à l'aide d'un parpaing dans un étang du manoir de la porte Calon à Guérande. C'est tout de même à 25 km du lieu de l'enlèvement. Le pauvre enfant a été méticuleusement attaché à l'aide de nœuds marins particulièrement élaborés, effectués avec de petites cordelettes. Il a un nœud au niveau du cou, un nœud au niveau des poignets et un nœud au niveau des chevilles. Le spectacle est déchirant, même pour les enquêteurs les plus expérimentés. Une autopsie est réalisée. Le corps est dans un si mauvais état à cause du temps passé dans l'eau qu'il est impossible de savoir si le pauvre enfant a été violé ou non. Il n'y a aucune trace de violence sur le corps, alors il est fort probable qu'il soit mort par suffocation. Une chose est sûre, il n'est pas mort noyé, car il n'y a pas d'eau dans ses poumons. Le médecin légiste va indiquer aux enquêteurs qu'il est probable que le jeune garçon ait été retenu captif un certain temps avant d'être tué, tout un mois, et tout un mois où le petit Titi, comme il était affectueusement surnommé, a été à la merci d'un prédateur. Les enquêteurs vont sans tarder privilégier la piste d'un prédateur qui habite le coin, car il faut bien connaître les environs pour de 1 connaître l'existence du centre de vacances de Saint-Brévin-les-Pins et y accéder discrètement, et de 2, idem pour l'étang du manoir de Guérande. La piste de l'homme en noir est alors abandonnée. Le ou les tueurs courent toujours, et d'ailleurs, il va ou ils vont courir un bon moment. Mais voilà, en août 2010, une lueur d'espoir va apparaître. Un homme de 25 ans est devant sa télé et voit un reportage sur ce mystérieux prédateur, l'homme en noir, et il va reconnaître l'une des victimes, le petit Denis Klein. Il se souvient avoir brièvement croisé ce garçon, c'était il y a 10 ans, 10 ans peut-être, mais il se souvient parfaitement du visage du petit Denis. Il avait eu comme un pressentiment à l'époque. Il a croisé l'enfant alors que lui faisait son jogging sur un chemin forestier tôt le matin près du lieu de l'enlèvement. Denis était dans une voiture, une Opel accompagnée d'un homme. Mais impossible pour lui de se souvenir de ce à quoi ressemblait l'homme. Un appel à témoins dans cette région est effectué avec le modèle de la voiture et les caractéristiques probables du suspect et ça va enfin payer l'année suivante en avril 2011. En regardant un énième avis de recherche diffusé à la télévision allemande, un jeune homme s'est souvenu de ce moniteur qui l'avait agressé quand il était petit dans un centre de vacances. Son agresseur était donc éducateur et il s'appelait Martin Ney. Et ironie du sort, ce témoin décisif s'appelle lui aussi Martin. Et les policiers se rendent compte que ce Martin Ney, ils l'ont déjà interrogé dans cette affaire. C'était en 2007. À l'époque, il est connu des services de police comme délinquant sexuel, mais malin comme il est, il n'avait jamais fait l'objet d'aucune condamnation. Mais ça, on y reviendra plus tard. Son casier judiciaire était donc vierge, mais malheureusement, à l'époque, Martin Ney avait tout nié en bloc. Il avait également refusé de donner un échantillon de son ADN. Alors, faute de preuves, il avait été relâché sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Il va donc falloir attendre 2011 pour qu'il soit de nouveau arrêté et interrogé. Mais cette fois, il va passer aux aveux. Nous sommes alors le 15 avril 2011 et Martin Ney a 40 ans. Oui, c'est bien lui, l'homme en noir. Oui, il a bien agressé une quarantaine d'enfants. Et oui, il a bien tué le petit Stéphane, le petit Denis Rostel, ainsi que le petit Denis Klein, mais il est catégorique. Il n'a pas tué Jonathan Coulon. Mais alors, qui est ce Martin Ney? Né le 12 décembre 1970 à Brême, au nord de l'Allemagne, en Basse-Saxe, dès l'âge de 8 ans, il ressent du désir pour un cousin de son âge. Et à 12 ans, il lorgne sur les pantalons serrés de ses camarades. Le premier fait notable de sa carrière de criminel est une condamnation dès l'âge de 17 ans. Il avait menacé un couple de parents de tuer leur enfant. Il avait alors été condamné. Ça, plus une autre condamnation en 1989 pour extorsion de 150 000 Deutsche Mark. À 18 ans, il a agressé sexuellement un enfant de 8 ans à la piscine. Le pauvre garçon s'est littéralement figé sur place. Il était pétrifié. Et Martin dira plus tard avoir confondu son immobilisme à un consentement. Mais son casier judiciaire a été effacé alors qu'il a eu 24 ans. Et si dans un premier temps Martin Ney voulait être militaire, il a finalement décidé de devenir éducateur pour travailler auprès de ceux qui l'affectionnent tant, les jeunes garçons prépubères. Mais le pire, c'est ce que je vais vous raconter maintenant. En 1995, alors qu'il n'est encore qu'un étudiant, il dépose un dossier de candidature de famille d'accueil auprès des services sociaux. Il n'a absolument pas le profil. Il est célibataire, vit dans un minuscule studio, n'a même pas terminé ses études.
En temps normal, aucun bureau d'aide à l'enfance ne lui aurait confié un enfant, mais voilà, les familles d'accueil se font rares et désespérées. L'administration allemande décide de lui confier la garde d'un jeune garçon de 12 ans en 1996. Il vivra avec ce petit pendant plusieurs années, garçon qui prendra la poudre d'escampette à sa majorité sans demander son reste. L'enfant qui se fait discret a indiqué ne jamais avoir été abusé par son père d'accueil. Le croira qui voudra. Quoi qu'il en soit, Martinet, à côté de ses études, travaillait en tant qu'encadrant auprès de jeunes. De 2000 à 2008, avec de faux diplômes, il obtient un poste de professeur d'éducation sociale dans une fondation de Hambourg. Il est bien évidemment au contact, encore et toujours, de jeunes garçons prépubères. C'est à l'âge de 22 ans, alors qu'il est encadrant dans une colonie de vacances au nord de l'Allemagne, qu'il commence, dans le cadre de son travail, à abuser de jeunes garçons. C'est à peu près à cette période qu'il décide de faire le tour des établissements scolaires de la région. Il sait que ces centres ne sont pas protégés comme ils devraient l'être et son métier d'éducateur facilite ces intrusions. C'est sans doute cette particularité qui permettra à Martinet de passer si longtemps entre les mailles du filet et remarquer à quel point le profilage des enquêteurs était correct. Il le suspectait, déjà sans le connaître, de travailler auprès des enfants. Puis très vite, Martin va viser d'autres établissements de type orphelinat. Se sentant surpuissant, il va même s'en prendre à des habitations privées, s'engouffrant dans les chambres des enfants par les fenêtres des rez-de-chaussée non fermées et abusant d'eux à deux pas de leurs parents endormis. En 2005, il est inculpé dans deux affaires d'abus sexuels, mais les affaires seront classées sans suite contre un paiement de 1800 euros. Ensuite, il va faire chanter un collègue à lui, éducateur auprès d'enfants, lui aussi. S'il ne lui verse pas 20 000 euros, il va dire à la police qu'il détient des images pédopornographiques. C'est la parfaite définition de l'hôpital qui se fout de la charité. Un pervers qui menace de dénoncer un autre pervers. Quoi qu'il en soit, une enquête pour extorsion de fonds va alors être ouverte contre Martinet et lors de la perquisition de son appartement, les policiers trouvent dans son ordinateur pas moins de 30 000 photos pédopornographiques. Mais il y a un mais. Si Martinet aurait dû être jeté en prison à ce moment-là, donc en 2005, il va s'en sortir miraculeusement. Comme il n'a pas été possible de préciser quand les images ont été stockées dans son ordinateur et quand le dernier accès a eu lieu, le procureur a dû interrompre la procédure en raison d'un délai de prescription présumé se terminant en 2007. Il ne sera donc jamais inquiété. Martin est décrit par son entourage comme quelqu'un de discret, de solitaire, de fort sympathique. Il est peu sûr de lui dans ses relations avec les adultes. Son entourage le décrit comme un homme sans histoire, soigneux, intelligent et réservé. Il était, je cite, le voisin idéal. Il est jugé l'année suivante pour donc les trois meurtres, ceux de Stéphane et les deux de Nice, mais pas pour celui de Jonathan. Il a nié les faits et faute de preuves suffisantes, la piste a été abandonnée. Lors du procès, une question se pose. Pourquoi avoir agressé certains enfants et tué certains autres? Martinet avoue avoir étranglé le petit Stéphane Jarre parce qu'il a eu peur que le garçon qu'il avait fait monter dans sa voiture n'ait mémorisé sa plaque d'immatriculation et ne le dénonce. Alors pour cette raison et pour ne pas prendre de risque, il l'a tué. Concernant le petit Denis Rostel, il avoue qu'avant de le tuer, il a passé, je cite, « quelques jours de vacances avec lui près de Holstebro au Danemark ». Puis toujours pour ne pas se faire prendre, il l'a tué en l'étouffant. Quant au petit Denis Klein, Martinet l'a aussi étouffé, car lui se débattait trop bruyamment pendant les abus. Et c'est sans surprise qu'à l'issue du procès, le 27 février 2012, il époque d'une peine d'emprisonnement à vie, et prison à vie en Allemagne signifie de 25 à 26 ans de prison, et régulièrement un expert devra déterminer si Martinet est encore dangereux. Il pourrait donc sortir un jour, mais vu la gravité de ses actes, c'est peu probable. Et comme je vous le disais, on pense au moment du procès qu'on ne connaît pas toute l'étendue des agressions. Il est également suspecté dans d'autres affaires pédocriminelles qui ont eu lieu en Pologne, en Grèce, en Amérique du Sud, en somme, dans tous les endroits où il a voyagé, puisque Martinet était un véritable globe-trotteur. Et l'affaire aurait pu s'arrêter là, mais beaucoup en sont sûrs. Il est responsable de la mort de Jonathan. Les similitudes sont trop grandes. L'enquête de Jonathan est toujours restée ouverte malgré les quasi deux décennies qui se sont écoulées. Et 17 ans plus tard, la piste du tueur en série est de nouveau au centre de cette affaire. Alors précisons que de nouveaux examens avaient été effectués sur la dépouille du petit Jonathan. Et cette fois, ils indiquaient que l'enfant, contrairement à ce qui a été dit avant, a probablement été assassiné
peu de temps après son kidnapping, alors l'hypothèse de la séquestration d'un mois entier s'effondre. Et une personne va faire avancer cette enquête. En avril 2018, un prisonnier va se manifester auprès des autorités. Il affirme que son co-détenu, qui n'est autre que Martin Ney, lui a avoué être le responsable de la mort du petit Jonathan Coulon. Et il a donné des détails que seul l'agresseur pouvait connaître. Et détail troublant, Martin Ney aurait déclaré à son co-détenu avoir perdu un sac à dos à Saint-Brévin-les-Pins. La piste du tueur en série allemand reprend alors de plus belle. Le co-détenu précise aussi que le tueur allemand s'est vanté d'être précis, organisé. Il n'hésitait pas à faire des repérages dans les lieux fréquentés par les enfants, comme les centres de loisirs, les foyers, les internats, etc. L'avocate de la grand-mère de Jonathan, maître Cathy Richard, a déclaré, je cite, « J'ai toujours pensé que l'assassin n'en était pas à son coup d'essai. Il fallait posséder un tel sang-froid pour l'enlever à cet endroit et le déposer là où on l'a trouvé, qu'il était impensable d'imaginer un primo-agresseur. » Un appel à témoins est lancé concernant le sac à dos. Il s'agit d'un sac à dos en cuir marron de type besace, possédant des poches ainsi qu'un lacet sur le dessus pour le fermer. Il aurait pu être découvert entre avril et mai 2004 dans les environs de Saint-Brévin-les-Pins ou de Guérande. Mais malheureusement, la piste du sac à dos ne donne rien et personne ne se manifeste. Martin Ney, âgé de 55 ans, a depuis été extradé en France le 20 janvier 2021 pour une durée de 8 mois, délai dont dispose la justice française pour résoudre cette affaire. Déjà auditionné à de nombreuses reprises par le magistrat Ney et pour l'instant resté sur ses dénégations, afin de faire avancer cette piste, la gendarmerie a lancé un nouvel appel à témoins à quiconque aurait aperçu Martin Ney ou à quiconque l'aurait hébergé entre 1990 et 2011. L'émission d'un élucidé avait traité de l'affaire de Jonathan Coulon, c'était en 2008, lors du tout premier épisode jamais diffusé de l'émission. Et on a profité de notre entrevue de la semaine dernière avec Arnaud Poivre d'Arvor et Jean-Marc Bloch pour parler de l'affaire. La première affaire qu'on a traitée, celle effectivement de la disparition et du meurtre de... On va en parler samedi sur notre chaîne, n'hésitez pas. C'est donc de Jonathan Coulon, ce petit garçon qui est parti en colonie de vacances. C'était la première fois qu'il quittait sa famille, la première fois qu'il voyait la mer. Avec ses camarades, et puis tout d'un coup il est dans une chambre avec 4-5 camarades, et une nuit il est tout près de la porte d'entrée de cette chambre et il disparaît. Cette histoire nous a profondément touchés parce que on a eu l'occasion en plus de retourner sur les lieux, ce qu'on fait habituellement, mais là on a été dans cette colonie de vacances qui allait être détruite quelques jours après le tournage. On a même stoppé les travaux de destruction. Ouais, on les a même arrêtés parce qu'on voulait tourner dans cet endroit. Et donc on était dans ce couloir, on était à l'entrée de cette chambre, dans cette chambre. Donc on a ressenti, on a eu ces impressions que peuvent avoir des enquêteurs quand ils débarquent sur une affaire. Et très franchement, la famille et le papa nous a profondément bouleversés. Et donc avec lui on est en contact régulier et c'est vrai que quand on l'a contacté, quand on a commencé à travailler sur cette affaire, lui n'avait pas d'avocat, n'était plus en contact avec les services enquêteurs ni avec le juge d'instruction, donc on l'a, j'espère, un peu aidé, j'espère un peu soutenu. D'ailleurs voilà pourquoi on voulait traiter, c'est un hasard pour revenir à Jonathan Coulon, pourquoi on voulait traiter de ce cas, parce que à l'époque, vous aviez déjà parlé de la piste allemande qui est complètement actuelle. Ouais. Aujourd'hui on a vu qu'il a été extradé. Est-ce que vous en tirez là une certaine fierté personnelle de pouvoir aider à faire avancer l'enquête? Alors, c'est incroyable. La fierté, c'est 15 que, ans après, hein. C'est que toutes ces affaires, a priori, quand on évoque des pistes, on se trompe rarement. En tout cas, il y a quelques hypothèses et on est rarement à côté de la plaque. Bon, maintenant, c'est vrai que on ne peut pas être sûr. Maintenant, on travaille sur des affaires, on peut avoir accès au dossier. Il y a des choses qui nous apparaissent de manière claire. C'est facile aussi de le dire parce qu'on arrive avec le recul, on arrive des années après. Donc on arrive à lire les choses un peu autrement. Maintenant, c'est vrai que cette histoire sur ce tueur en série allemand, on en a parlé une des pistes qu'on évoque dans l'émission. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la piste privilégiée.
le Schwarzmann, l'homme en noir, Martin Ney, qui aujourd'hui est mis en examen dans l'affaire de Jonathan Blum. Alors bien sûr que c'est en tirer une fierté, ouais, une certaine fierté bien sûr, mais c'est pas une gloriole, c'est pas une fierté. On est content de raconter les histoires de la manière la plus exacte possible, et peut-être qu'on a la chance, par rapport aux enquêteurs, on ne refait pas l'enquête, hein. Il n'est pas question pour nous de refaire l'enquête. C'est de la retranscription. Mais on a la chance, nous, d'avoir un œil extérieur, de voir les choses peut-être plus objectivement, de manière plus neutre que les enquêteurs ne l'ont vu, parce que quand on est enquêteur, on est plongé, on est immergé dans cette affaire, ça devient des fois presque obsessionnel. Nous, on arrive, une fois que tout ça a été... On est un peu au-dessus, enfin, oui. C'est un regard complètement différent, et on peut effectivement évoquer des pistes qui ont été plus ou moins écartées, plus ou moins... Alors, donc, quand on fait une enquête, on ne ferme jamais totalement une porte. Donc, ça nous permet, nous, peut-être, de mettre en exergue des portes qui ont été à moitié fermées, parce que ça ne paraissait pas, au moment de l'enquête, évident aux enquêteurs. C'est ainsi qu'il y a plusieurs affaires qui, après la diffusion de l'émission, ont trouvé des solutions, des débuts de solutions. Et bien sûr, pour nous, c'est une satisfaction. Ça prouve qu'on fait non seulement de la télévision, mais que ça a une utilité sociale. Et c'est important que tout ça ait une utilité sociale. Et j'ajouterais quelque chose, c'est qu'on a pu discuter avec certains services d'enquête, et notamment un service spécialisé dans l'étude des cold cases. Et à plusieurs reprises, ils nous ont dit, quand ils récupéraient un dossier, qu'il a regardé notre émission et que ça leur servait un peu de ce qu'on appelle de PV de synthèse vidéo, c'est-à-dire voilà, une espèce de résumé global de l'affaire et des différentes pistes évoquées. Donc ça, pour le coup, c'est une reconnaissance de la qualité et de l'exactitude de ce qu'on dit. Le compte à rebours tourne pour confondre Martin Ney dans l'affaire du petit Jonathan. On souhaite bon courage, bien évidemment, aux parents et à la famille. N'oubliez jamais qu'ils peuvent nous lire. On ne peut que souhaiter une résolution avant le 20 septembre, si mes calculs sont bons, sous peine de voir Martin Ney retourner dans sa prison allemande. Y aura-t-il cependant une autre demande d'extradition pour décaler le délai des 8 mois qui expire bientôt? Qui sait? Les recherches des enquêteurs vont-elles enfin aboutir sur un procès? Seul le temps nous le dira. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker cette vidéo qui a été particulièrement longue à faire tant les informations étaient éparpillées. Dites tout ce que vous en avez pensé en barre de commentaires. Merci de nous avoir suivis. Demain, on vous postera l'interview complète d'Arnaud Poivre d'Arvor et de Jean-Marc Bloch. L'occasion pour ceux qui nous ont posé des questions via Instagram de voir leurs questions. On leur a demandé par exemple où sont passés les Jane et John Doe français. On connaît beaucoup d'exemples américains, personne en France, vous allez voir, les réponses sont intéressantes. Pourquoi avant on parlait par exemple de grands flics, de grands juges, et qu'aujourd'hui c'est plus le cas? Bref, je vous laisse découvrir ça demain. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire, les amis.